un albinos n'a aucun pouvoir, n'a aucun problème, c'est juste un manque. C'est comme aujourd'hui vous avez un enfant qui est né, qui est handicapé, qui lui manque un doigt. Vous n'allez pas les fuir. Non. Vous n'allez pas les rejeter. Non. Moi, j'ai eu des gens qui ont pris mes cheveux, oui. Qui ont fait des rituels. Ah ouais. Quand j'étais enfant. Et quand je suis parti en grandissant, j'ai été voir ces gens-là. Tu veux donner l'exemple comme ma femme aussi. Quand c'est marié, elle me disait que non, moi j'attends que non, vous sortez la nuit afin que moi je fasse. Il faut que moi je demande la permission. C'est ta femme qui te dit ça. Ouais. Moi j'entends que vous sortez la nuit. Moi je rigole. Je dis bon, on va rester ensemble, tu vas voir ça. Si moi je sors la nuit, ou bien, en fait, quand tu vas aux toilettes, tu me demandes la permission. Gazarema, le canal qui te transmet la vie. Gazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Et chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Gazarema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous savoir tous devant vos écrans. Pour suivre votre chaîne de télévision préférée dans la francophonie des chrétiens. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un événement, nous voulons parler de quelque chose de particulier qui sort de la norme de ce que nous avons l'habitude de vous parler. Nous recevons deux invités hors du commun qui ont un message également hors du commun à nous apporter. Ne quittez pas, suivant cet élément. Grand, 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 grand événement de puissance et de gloire. Et de gloire. Jeanne Monnet, Impact Média et Gazarema organisent une grande conférence en région parisienne. Pourquoi les gens sont méchants à ce point? Pourquoi les gens n'aiment pas les gens? Les clés pour réussir. Viens découvrir la clé du succès. La clé de l'indépendance financière. La clé pour stabiliser ta famille. La clé pour réussir ton mariage. C'est ce que tu veux. Tu sais ce que c'est que d'avoir une valeur que les gens refusent de voir? Tu es aveugle ou quoi? C'est moi, c'est bien moi. Jette le valeureux. Pourquoi est-ce que tu veux t'obstiner à ne voir que l'erreur dans ma vie? Avec la révérende Jeanne Monnet, le bulldozer de la parole, la lionne de l'évangile, la femme à l'onction explosive. Le 29 juin 2019, à partir de 14h, au Palais des Congrès Montreuil, au 128 rue de Paris, 9300 Montreuil. Voici l'opportunité à ne rater sous aucun prétexte. Et nous sommes de retour sur le plateau de Gazarema. Nous sommes sur le plateau de Gazarema. Aujourd'hui, nous voulons parler de la discrimination contre l'albinisme, contre les albinos. Vous savez que les albinos ont été décriés pendant très très longtemps. À l'école, quand on plaçait un albinos, on ne voulait pas placer un autre enfant à côté de lui. Si on mettait un enfant à côté de lui, il pleurait. En fait, une forte discrimination sur ce type de personne particulière. Alors, pourquoi ça vient tout? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui le président et le vice-président d'une association qui s'appelle Tous Kimia. Tous Kimia. Tous Kimia pour l'albinisme, tous en paix pour l'albinisme. L'association est située à Pierrefitte-sur-Seine, au 12 rue Guérou. Donc je reçois le président de l'association, Jiki Mavuela, qu'on appelle Vuelas. Bonjour Vuelas. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Alors, nous sommes très heureux de t'avoir sur le plateau. Oui, je suis très heureux, moi aussi. Et je sais qu'à côté de toi, nous avons celui qu'on appelle le Joli. Il est vraiment joli. Hein. Il s'appelle Jean-Marie Botouna. C'est le vice-président de l'association Tous Kimia. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous, c'est moi. Le joli, tu es vraiment joli. Merci beaucoup, Dieu fait grâce. Nous sommes très très contents de vous avoir sur le plateau. Vous êtes, le président et le vice-président de l'association Tous Kimia. Pourquoi l'association Tous Kimia? Je vais commencer par le joli. Bon. Aujourd'hui, nous avons créé cette association parce que nous avons constaté jusqu'en 2019, donc à l'aube du siècle 21, nous constatons encore qu'il y a beaucoup de discriminations et de préjugés. Donc l'albinisme n'est pas bien connu un peu partout en Afrique. Mmh. Et les albinos sont victimes malheureusement de ces préjugés, de cette discrimination qui ne doit pas exister. Mmh. Parce que toute discrimination, tout préjugé est diabolique. Donc nous avons créé cette association pour promouvoir les albinos, pour montrer que ce sont des personnes à part entière, donc ils peuvent vivre leur vie et peuvent apporter aussi dans la société, ils peuvent faire des bonnes choses. – Waouh, ça c'est merveilleux, ils peuvent faire de bonnes choses. Alors Président Vuelas, dis-nous un peu l'idée quand elle est arrivée,
de créer l'association, c'était parce que les albinos ne parlaient pas. Et vous vous êtes dit, voilà, nous allons avoir, nous serons la voix de ceux qui ne parlent pas. Comment est-ce que vous vous êtes consulté? Vous vous êtes dit un jour, ok, levons-nous, allons faire l'association, ou bien vous avez mûri l'idée bien avant? Ouais, merci, pasteur, parce que l'idée, c'est venu comme moi, puisque moi-même, je suis albinos, oui. Parce que je suis un musicien bien formé, mm-hmm. parce que je jouais avec mes amis qui étaient les faux noirs à Kinshasa. Mm-hmm. Tout le temps, ils me disaient, mais comment toi, tu n'as pas honte? Tu es seul blanc, tu joues avec nous, moi, je dis, mais pourquoi? Moi, je suis comme tout le monde, je suis comme vous, parce que j'ai les mains. Si vous gardez mes mains, j'ai 5 doigts comme vous. Exactement. Hein, j'ai les yeux comme vous. Pourquoi me dites que. Donc, je n'ai aucune honte avec vous parce que je suis au milieu des hommes comme tout le monde. Mm-hmm. C'est pour ça que donc, j'ai eu l'idée de créer cette association à cause de ça, puisque je vis comme il y avait des gens qui me rejetaient. Oui. Que moi, je ne suis pas une personne comme eux. Oui. J'ai dit un jour, moi, je vais créer l'association pour combattre cette. Discrimination avec les Noirs, parce que nous, on dit que nous, on est des albinos, et ils ont les Noirs, donc on est comme on est à distance, donc oui. Comme à distance, donc on ne peut pas rester ensemble avec eux. Moi, j'ai dit non, un jour, je vais créer une association pour combattre cette discrimination. Waouh! Voilà. Et ça, c'est souvent assez difficile. Nous voulons un peu parler sur l'albinisme. Vous êtes mieux placé. Peut-être, je ne sais pas si on vous a renseigné sur l'albinisme, si on vous avez fait des recherches. Les origines de l'albinisme, qu'est-ce qui cause l'albinisme? On sait que les métis sont la rencontre de noirs et de blancs. L'albinisme, c'est quoi les origines? Le joli. Déjà, je lève mon chapeau, voilà. Parce que le sujet devient... c'est ça que je voulais. Non. Donc, en fait, l'albinisme, en fait, est causé juste par c'est génétique, en fait. C'est une mutation des gènes. Oui. Donc, c'est un manque. C'est un manque, un déficit de mélanine. Mm-hmm. En fait, avec les recherches qu'on a trouvées aujourd'hui, c'est au niveau des chromosomes. Il y a le chromosome 19 oui. qui est touché. Mm-hmm. Donc, génétiquement, ça fait qu'on manque de mélanine. Mm-hmm. Comparé à une personne qui a la peau noire mm-hmm. et une personne qui a la peau claire comme nous, c'est-à-dire la personne qui a la peau noire a plus de mélanine. Son organisme produit plus de mélanine que mm-hmm. nous, les albinos. Mm-hmm. Nous, les albinos, on a un peu moins de mélanine. Donc, du coup, on ne produit pas beaucoup de mélanine, donc on n'est pas protégé au niveau du soleil. Il faut mmh. savoir que la mélanine intervient au niveau des cheveux, des yeux mmh. et des couleurs de la peau. Mmh. Donc les albinos, ils n'ont pas ces gènes, mmh. ou partiellement, pas suffisant pour pouvoir avoir une protection au niveau solaire et au niveau de la peau. Donc, et par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'albinisme. Mmh. Par exemple, nous avons l'albinisme qu'on appelle oculo-cutané, okay. c'est-à-dire on est touché au niveau des cheveux, des yeux et de la peau. Oui. Il existe aussi d'autres albinismes, mais celui qui est connu, c'est l'albinisme oculaire. Oui. C'est-à-dire on a des gens qui sont albinos, mais ils ont la peau foncée. Ordinairement, normal, mais ils ont... C'est vrai? Oui. Oui. Ils ont que l'albinisme qui sont touchés au niveau des yeux. Ça, il faut le savoir. Ah bon? Oui. Oui. Mais donc, ça, vous me donnez une révélation. Là. Ah oui, ah oui. Y a je ne savais pas. Oui. Ils ont la peau normale comme ça. Ils ont la peau normale, il n'y a que les yeux qui sont touchés. Wow. Et ils sont albinos. On les appelle des albinos oculaires. Wow. Oui. Et on nous appelle des albinos oculocutanés. Parce qu'on a la peau qui est touchée, les cheveux et les yeux. Oui. D'accord. Donc, c'est très important à savoir. Wow. Et il y a d'autres types d'albinisme après qui se compliquent. D'accord. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas une maladie en soi, mm-hmm. directement, si mm-hmm. on peut dire. Mm-hmm. C'est juste un manque, une anomalie. C'est-à-dire que ces gènes-là qui fait qu'on manque, on n'a pas assez de mélanine dans notre organisme. D'accord. Mais donc, dites-moi un peu, vos parents, ils sont noirs ou ils sont... Ils sont noirs. Moi, mes parents, ils sont noirs. Je suis le seul albinos de la famille et fier de l'être. Les seuls blancs de la famille. Voilà, les seuls blancs, c'est lui qui est sorti de nulle part, mais pour moi, c'est une bénédiction. Amen. Oui, c'est Dieu fait grâce. Moi, c'est mes parents qui sont noirs, parce qu'on est des en famille. Moi et ma petite sœur, on sorti, parce qu'on était à trois, parce que moi, je suis l'aîné de la famille. Mm-hmm. Et deuxième, c'était noir. La troisième, c'est une fille. Mm-hmm. Albinos aussi. D'accord. Ouais, donc, en fait, tes parents sont noirs. Mais noirs. Mais quand moi je promène ici, quand j'étais venu ici à 2002, oui. ici en Europe, y avait les blancs qui me demandaient, toi tu es blanc, et que tes parents ils sont blancs ou bien noirs? Moi j'ai dit non, mes parents
sont noirs. Mais, il me dit, mais comment toi, un parent noir, il peut faire un enfant blanc? Il me disait, comme ça, moi, j'ai dit. Et avec tes cheveux, tout le monde ne croit pas. Avec tes cheveux, t'es comme un Suédois. Même jusqu'à présent, même jusqu'à présent, quand je fais les formations, je parle lingala, il me dit, oh, toi, tu es congolais? Non, 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 comment? Comment tu es congolais? Mais non, moi, je suis congolais. On voit un blanc qui parle lingala. Et surtout que les blancs ne connaissent pas le phénomène d'albinisme. Donc, ce qui fait que eux, pour eux, c'est des blancs qu'ils ont devant eux. Ouais. Donc, il y a un petit doute, ils hésitent au début, ils disent, bon, quand on leur explique, ils comprennent qu'on est noir, on a juste un albinisme qui fait qu'on est albinos et on est clair de peau. Waouh, ça c'est extraordinaire. Moi, en fait, vous m'avez donné, vous avez enrichi aujourd'hui ma connaissance en m'apportant de nouvelles informations. Je ne savais pas qu'il y avait des albinos qui ont la peau complètement foncée, et mais qui ont des yeux, qui souffrent, qui ont été atteints. L'albinisme oculaire. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, mais pourquoi les discriminations? Vous êtes né, vous avez trouvé ces choses-là. Mais pourquoi, les discriminations? Parce que beaucoup de choses se sont dites derrière les albinos. Hein. Bon, moi, je vais répondre à cette question un peu. Après, je vais laisser mon frère, puisque lui, il connaît, puisque comme lui, comme docteur, il connaît beaucoup de choses. Oui. Moi, je vais prendre comme ça, puisque nous, les Africains, on ne fait pas des recherches. Oui. C'est ça le problème grave avec nous, les Africains. Mais par contre, les Blancs, ils font des recherches. Quand nous, on dit qu'il y a des sortes d'albinos, parce qu'on a fait des recherches aussi. Mm-hmm. Quand ici, on est en Europe, c'est pour faire des recherches. Mm-hmm. Ce n'est pas pour critiquer, pour des choses que nous, on veut toujours parler des choses qu'on ne sait pas. C'est comme ça, on sait, mais on ne sait pas. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il faut toujours faire des recherches avant de parler quelque chose. Mm-hmm. Si on ne fait pas des recherches, on va toujours rester toujours comme ça. Mm-hmm. Vous comprenez, pasteur? Oui, oui. Donc, il y a des choses qui sont sérieuses avec des évidences. Donc, tout le monde, il faut qu'on fasse des recherches pour connaître avant de parler quelque chose. Mm-hmm. Je laisse mon frère, parce que c'est lui qui connaît, en tout cas, vraiment, c'est à côté de mes médecins, il vient bien parler avec nous. Merci, mon frère. Comme il a dit, mon frère, en fait, le problème, c'est que c'est la différence et le manque de connaissances. Oui. En Afrique, on a un petit souci, c'est que, déjà, quand on n'a pas de connaissances, on a tendance à inventer des choses, à mystifier des choses qui sont fausses, à rendre des choses un peu superstitieuses. Donc, en fait, nous, avec notre association Tout ce qui met, on va porter la connaissance, c'est-à-dire tous ces préjugés, ces histoires fausses, superstitieuses, c'est lié à partir de manque de connaissances. Mm-hmm. L'albinisme, un albinos n'a aucun pouvoir. N'a aucun problème, c'est juste un manque. C'est comme aujourd'hui vous avez un enfant qui est né, qui est handicapé, qui lui manque un doigt. Vous n'allez pas les fuir. Non. Vous n'allez pas le rejeter. Non. On a connu auparavant les Noirs, ils étaient rejetés comme aujourd'hui les albinos, mm-hmm. mais ils se sont battus. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que nous sommes là, en fait, pour essayer de démolir, pour essayer de éradiquer, d'essayer de balkaniser toutes ces criminations. Tous ces préjugés, parce que c'est basé sur des fausses croyances qui sont diaboliques. Mmh. Et Dieu a dit aujourd'hui, Dieu veut que nous vivons ensemble, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Vous avez été victime, quand vous étiez petit, vous avez été victime de, moi, j'étais victime. De discrimination. Tu as été victime? Moi, j'ai été victime. Moi, j'ai eu des gens qui ont pris mes cheveux, qui ont fait des rituels. Ah ouais? Quand j'étais enfant. Et quand je suis parti en grandissant, j'ai été voir ces gens-là, et leur vie n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tes cheveux pour faire quoi? Ils ont pris les cheveux parce qu'il y avait un magicien, un marabout qui les a dit, il faut ramener les cheveux de cet albinos-là, comme ça on va travailler pour que vous soyez riche, vous ayez une vie prospère. Ah ouais? Oui. Ça, c'est incroyable, ça. Donc du coup, ils ont pris mes cheveux sans demander à mes parents. Ils ont fait les choses. Après, plus tard, moi, en grandissant, j'ai appris ça. J'ai été les voir, mais je n'ai pas vu leur vie. Leur vie n'a pas changé autant. Ils sont toujours un peu dans la misère, je dirais même. Ils sont toujours pauvres. Ils sont pauvres et c'est moi qui les a même donné un peu d'argent pour les encourager. Je leur ai expliqué, ils se sont excusés parce qu'ils ont reconnu qu'en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas et du coup, on s'est fait plein d'idées. C'est le manque de connaissances et malheureusement, la différence fait que parfois, il y a des gens qui profitent par rapport à ça. Et à l'école, ça se passait comment? Bon, à l'école, c'est toujours pareil parce que vous savez, quand vous arrivez, par exemple, vous voyez toute la classe, tout le monde est à la peau foncée, parce que moi, j'aime pas noir. J'aime pas dire noir. Oui. Je dirais tout le monde à la peau foncée et vous, vous avez la peau claire. Du coup, les gens, ils sont complètement intrigués. Oui. Mais quand on les explique,
ils sont un peu... Après, quand ils connaissent, ils savent que c'est génétique, c'est pas un problème. C'est pas l'effet d'être... Ça, c'est pas, ça, on peut pas, ça peut pas se transmettre comme ça, l'albinisme. C'est un problème des gènes. Donc, du coup, ils comprennent. Par exemple, moi, ma femme, elle a grandi avec des préjugés. On l'a inculqué des idées fausses dans la tête. Elle avait peur des albinos. Elle pouvait même pas s'asseoir à côté. Mais aujourd'hui, elle est mariée avec moi. Aujourd'hui, c'est elle-même qui va expliquer à tout le monde que c'est pas vrai. Moi, elle a réussi sa vie, elle a une vie prospère aujourd'hui. Elle est infirmière. C'est grâce à moi, c'est avec moi. Et t'es marié, t'as des enfants? Je suis marié, j'ai 3 beaux enfants, et on vit en France sans problème, wow. Avec une vie prospère. Wow, ça c'est extraordinaire. Ouais. Et toi aussi, voilà, t'es marié aussi? Oui, moi je suis marié, j'ai une femme à la maison. Waouh, ça c'est merveilleux. Ouais. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance? À l'école aussi, t'as vécu un peu de rejet, t'as vécu... le truc où les gens ne voulaient pas te toucher, ouais. La discrimination. Oui, mais ça c'est partout, avec des amis, partout, ça se passe comme ça. Moi, j'ai vécu ça à l'école, quand j'étais petit, j'ai vécu ça. Même quand je suis grandi jusqu'à présent, je vois ça. Mais je vais dire comment, je vais donner l'exemple comme ma femme aussi. Quand on s'est marié, elle me disait que non, moi j'attaque, non, vous sortez la nuit avant que moi je parle. Il faut que moi je demande la permission. C'est ta femme qui te dit ça. Ouais. Moi j'entends que vous sortez la nuit. Moi je rigole. Je dis bon, on va rester ensemble, tu vas voir ça. Si moi je sors la nuit, ou bien avant que toi tu vas aux toilettes, tu me demandes la permission. Je vous donne un exemple donc qui m'a beaucoup choqué. C'est ridicule. Ici en France. Oui. Ici en France. On touche l'idiotie. Ici en France, il y a une couple. Vraiment l'idiotie. Il y a une couple qui a fait un bébé albinos. On m'a appelé, c'était à Rennes. On m'appelle, il y a des amis de ce frère-là, il dit que non, il faut, avant d'aller aux toilettes, pendant la nuit, il faut demander la permission à ton enfant-là, les bébés. Moi, j'ai dit, oh, mais comment un bébé comme ça, toi, tu demandes la permission à un bébé? Qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai demandé au monsieur, est-ce que depuis que tu es avec ton bébé, oh, ce qui m'a fait que, pasteur, on est ici en Europe, en oui, France. En Europe, ouais. Les choses d'Afrique, ils ont ministré jusqu'ici en Europe. Mais comment expliquer ça? Il faut demander la permission à un bébé. Un bébé. Pour aller aux toilettes. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est, ouais, c'est croyance. En fait, c'est de la superstition. Il y a beaucoup de superstitions derrière l'albinisme. Des gens qui disent, tiens, si tu salues un albinos, tu vas faire des enfants albinos. Comme ouais. Si, en fait, on dirait que le gène se transmettait par salutation. On dirait que les gens... En fait, il y a trop de superstitions. Oui, si tu as un enfant albinos, ce qui fait que ceux qui avaient des enfants albinos, parfois, il y a des histoires très, très graves qui sont derrière, qui avaient des enfants albinos, quand ils recevaient des gens, ils les cachaient. Et eux, on les nourrissait à côté quand il y avait la fête, on leur apportait de la nourriture à côté, pas comme les autres enfants normaux. Alors que non, c'est des personnes normales, comme toutes les autres personnes. La preuve, aujourd'hui, voilà, c'est un musicien certifié. Et ici, le joli, c'est un kinésithérapeute. T'as beaucoup de clients qui viennent à ta... J'ai beaucoup, j'ai même un grand cabinet. qui viennent à ta consultation, qui viennent aux consultations. Beaucoup. Et les gens ne réagissent pas négativement? Non, ils ne réagissent pas négativement, ils sont fiers, ils sont contents. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que c'est vraiment au niveau communauté noire, si je peux dire, que, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de connaissances, qui ne savent pas, et du coup, ils me posent la question, ou ils ont du mal à la poser, mais moi, je leur explique, et du coup, après, ils sont plus à l'aise. Waouh. C'est très important. Mais Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, je vous sens très à l'aise. Je vous sens très décontracté. Vous vivez, il n'y a pas de séquelles, de stigmates, de cet esprit de discrimination. Vous vivez très, 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 très épanoui parce que nous avons discuté hors plateau. Vous êtes très, très épanoui. Chacun vit sa vie comme cela se devrait. Voilà, ça a été. Il a accompagné, il continue à jouer pour beaucoup de musiciens, que ce soit dans des studios, que ce soit dans des concerts. Il a fait des concerts au Zénith. Il a fait des concerts, l'Élysée Montmartre, n'en parlons pas, président Wilson, qu'on appelle les salles LSC. Il les a complètement toutes cassées. C'est un super bon batteur, formé des gens qui jouent aux percussions, le congas et tout. Donc, en fait, le travail se passe bien. Quand tu vois tes élèves, tu es content? Très, très content. Même jusqu'à présent, même ici, je forme toujours les enfants. J'ai encore des enfants qui...
qui vient chez moi pour prendre encore la batterie, le conga, jusqu'à présent. Je connais toujours à former. Donc en fait, c'est mon boulot. C'est pour dire que les albinos sont des personnes comme tout le monde, avec des capacités comme tout le monde, également des talents comme tout le monde. Donc nous allons marquer juste un petit instant de pause et nous allons revenir après pour parler de l'association Tous qu'il y a. Tous dans la paix avec des albinos. Paris, ton heure a sonné. Thierry Chicola Ministries vous convie à deux journées de démonstration de puissance de l'éternel. Avec le couple pastoral Thierry et Esther Chicola. Nous serons à Paris dans le cadre du ministère TTK Ministry. Le Seigneur sera au rendez-vous pour bénir plusieurs familles. Le Seigneur sera au rendez-vous pour édifier des gens. Au nom de Jésus! Dans le thème Jésus-Christ, le Dieu des cas impossibles, du vendredi 31 mai à partir de 18h30. Notez bien. Samedi 1er juin, deux sessions spéciales. Première session de 11h30 à 13h45 avec First Ladies Ministries. Deuxième session à partir de 17h30. Service de puissance pour tous. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Viens mettre fin à ton infirmité. Viens mettre fin à la pauvreté. Viens mettre fin à la souffrance qui tourmente ta vie. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec l'association Tous qu'il y a. Tous qu'il y a pour l'albinisme. Tous qu'il y a, donc c'est ça. Tous ensemble derrière l'albinisme. Tous en paix avec l'albinisme, tous en paix avec les albinos. Nous voulons parler, nous avons parlé de long en large, j'ai reçu des informations, vous aussi sûrement, parce que nous ne savions pas réellement c'était quoi l'albinisme. Nous avons compris que c'est un manque de mélanine, c'est juste une anomalie, ce ne sont pas des extraterrestres, les amis. Donc, je les ai ici sur le plateau, ils sont tout beaux et très intelligents, ils s'expriment super bien pour apporter beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière sur ce qui concerne l'albinisme. Et là, nous voulons un peu parler de l'association. C'est quoi les objectifs de l'association? Je vais commencer avec le vice-président. D'accord. Vraiment, l'association, l'objectif, c'est déjà d'apporter la connaissance, de sensibiliser. Donc, on essaie vraiment d'attirer l'attention à tout le monde, à toutes les stars, à tous les intellectuels, à toutes les personnes qui ont un grand cœur, de venir vraiment nous soutenir. Donc le but de l'association, c'est de pouvoir promouvoir déjà les albinos, de pouvoir créer des écoles, de pouvoir créer des choses vraiment qui, au niveau social, créer des systèmes de santé, parce qu'on a une récurrence vraiment au niveau du cancer de la peau, qui sont causés par rapport à la peau, aux rayons du soleil UV. Donc du coup, les albinos, ils sont obligés de mettre de la crème, surtout en Afrique par exemple. Donc du coup, l'accès à ces produits-là, ça reste très difficile. Donc l'association a un projet vraiment de créer un laboratoire pour fabriquer des crèmes vraiment solaires et d'apporter des lunettes de soleil pour se protéger au niveau des yeux. Donc il y a aussi des projets au niveau... niveau éducatif, c'est de créer des centres de formation pour qu'enfin les albinos puissent avoir des emplois, faire des métiers qu'ils peuvent faire. Parce que les albinos, ils ont... Des métiers nobles. Oui, ils ont des métiers nobles. Parce que les albinos, ils ont toutes les capacités intellectuelles et physiques, complètement comme tout le monde. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est juste le manque de pigmentation qui fait que cette différence-là, qu'on est un peu voyant par rapport aux autres. Donc, on appelle vraiment à tout le monde de venir soutenir cette association, à toutes les stars, à toutes les personnes intellectuelles, à toutes les personnes qui se sentent vraiment touchées par cette cause. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde réagir pour les associations pour les animaux, pour les associations pour telle chose, et nous. Oui, surtout les animaux. On a les 30 millions d'amis. Voilà. On a toutes les associations. Tu ne peux pas toucher un chien. Tu ne peux pas toucher. Si on peut soutenir les animaux, à combien plus forte raison les hommes? Les albinos sont des hommes comme tous les autres. Alors, il y a une grande cause à soutenir, une cause noble vers laquelle nous pouvons nous tourner. Vous avez entendu tout à l'heure le vice-président parler en disant qu'il y a besoin de produits, il y a besoin de lunettes de soleil. Je crois que l'association, quelque part, prépare. Vous faites des réunions, président? Oui, on fait des réunions chaque fin de mois. À Pierrefitte, oui. 93-380,
Clarfit, chaque fin de mois, on fait des réunions. Et vous faites des grands rassemblements aussi? Oui, on va commencer à faire. On va commencer bientôt, là. Très, très bien. Donc, nous appelons, dès que vous avez vos rassemblements et tout ça, faites-le savoir à tout le monde. Nous en appelons à tout le monde pour le soutien de cette association. Il y a des crèmes solaires, qui sont demandées. Vous faites aussi des grandes distributions. Vous vous préparez à faire des grandes distributions en Afrique. Exactement, pour aller soutenir les albinos d'Afrique et d'ailleurs. Oui. Donc, nous appelons vraiment aux dons. Oui. À n'importe quel don, que ce soit matériel, que ce soit physique, financière, on a besoin de tout ça parce que, comme vous savez, une association, ça fonctionne avec les dons, avec vos soutiens. Donc, aujourd'hui, on arrive encore à avoir des massacres par rapport aux albinos qui sont massacrés. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas dire que vous ne le savez pas. Nous devons faire intervenir, même au niveau droit de l'homme, au niveau international, les politiciens. Nous faisons appel à vous. Venez nous soutenir, soutenez-nous. Nous devons faire des lois pour éradiquer tous ces massacres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. L'information, elle est connue. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire que qui ne fait rien conscience. On ne peut pas avoir des massacres comme ça. Parce qu'un enfant est né, un marabout va dire, il faut me ramener un bras. On va couper un enfant vivant. Wow. On va lui prélever un organe. Wow. C'est pas normal de voir ça en 20e siècle. Donc c'est parce que... Et puis si vous regardez, ces marabouts-là, souvent, c'est des gens, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Et c'est vrai. Et les grands, on voit des grands hommes, allez les voir. Pourquoi? Parce que c'est des superstitions. Il n'y a pas de pouvoir. On ne doit pas massacrer un bébé. Lui prendre un cœur vivant. Et c'est vrai, que comme tu nous as parlé de tes cheveux, il y a des gens qui demandent, ils demandent des organes. Et donc, s'il y a un enfant à sacrifier quelque part, c'est toujours un albinos. Oui, malheureusement, on voit ça encore. On voit des enfants qu'on coupe la main, on coupe les bras, parce qu'un marabout a demandé la main d'un albinos, alors que ce n'est pas vrai. Même les gants aussi, ce n'est pas les enfants aussi, c'est même les gants, ils coupent les gants. Ah oui? Bah oui. C'est pas les enfants seuls, même les gants. Donc en fait, les albinos sont menacés. Mais oui. Oui. C'est encore avéré, les albinos sont menacés. Donc c'est pour ça que nous faisons appel vraiment, on fait appel aux grands politiciens, à des grandes personnalités de ce monde, de partout ailleurs. On va essayer d'intervenir au niveau de l'ONU pour essayer de mettre vraiment, de faire respecter les droits de l'homme, de faire respecter les lois, de mettre des lois en place pour pouvoir protéger. Parce qu'aujourd'hui, on voit, beaucoup de personnes sont protégées. Alors pourquoi les Albinos sont exposés à toutes ces choses-là, à ces massacres? C'est pas normal. Les Américains, les Noirs américains disent, tout aux États-Unis, ils le crient encore jusqu'à aujourd'hui, la vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte. Donc nous, ici sur le plateau, nous voulons dire, la vie des Albinos aussi, elle compte. La vie des Albinos compte. Ils ne sont pas ceux-là qui doivent être sacrifiés. Bien au contraire, ils doivent vivre comme tout le monde et avoir également leur chance sur ce soleil. Donc, l'association, nous le disons bien, l'association Touskimia, elle est située au 12 rue Guérou, 93 380 à Pierrefitte-sur-Seine. Le numéro de téléphone est là et vous pouvez également... Nous avons également, aussi un site internet. Il y a aussi un site internet également. Vous avez un Facebook, les dons peuvent être faits. Voilà, donc toutes les informations sont affichées sur la bande d'annonce, les amis. Il est plus que temps que chacun d'entre nous se sente responsable pour cette race, si on peut le dire. Mais en fait, nous, on ne dira pas. Ce sont des personnes à part. Nous comprenons exactement que c'est une anomalie qui est arrivée et qui a touché les albinos qui fait d'eux des personnes particulières. En fait, ce sont des personnes qui réfléchissent, des amis, qui sont doués, qui sont dotés de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de talent et de beaucoup de savoir-faire également. Donc, cette association s'est levée pour parler. Nous en appelons également à toutes les stars. Si vous pouvez soutenir des associations contre le sida, des associations pour les handicapés, des associations même pour les animaux, défendre les animaux, disant que la vie des animaux compte. Si la vie des animaux peut compter, à combien plus forte raison la vie des albinos? Ce sont des hommes comme vous autres, ce sont des hommes comme tout le monde. Mes amis, j'ai ici la preuve
ils sont sur le plateau. C'est un artiste et un kiné. Un artiste et un kiné. Un super bon artiste et un super bon kiné qui mène sa vie comme cela se doit. Ils sont mariés. Ils sont mariés, ce sont des responsables de famille qui se sont levés pour dire non, l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud, la discrimination raciale a pris fin aux États-Unis aujourd'hui, et pourquoi la discrimination continuerait contre l'albinisme? Alors, nous disons que c'est, l'association est ouverte à tout le monde. Hein. Elle n'est pas ouverte qu'aux albinos. Non, à tout le monde. Tout le monde. Donc, tout le monde peut... Tout le monde peut adhérer. Adhérer, ouais. Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut apporter son soutien. Tout le monde peut apporter son soutien. Et il y a l'Afrique qui attend, l'Afrique attend. Ouais. Les projets pour l'Afrique, président. Oui, il y a des projets pour l'Afrique, comme mon frère il vient de dire. On a des projets pour créer des écoles, des ateliers de couture, des salons de coiffure. En tout cas, il y a d'autres projets. On ne peut pas étaler ça ici, parce que ça, c'est comme... C'est la cuisine. C'est la cuisine interne. C'est la cuisine interne, là, puisque moi aussi j'ai des projets pour la musique, mais je ne vais pas étaler ça ici. Mm-hmm. Parce que si on étale ça, il y a aussi des personnes qui veulent prendre ça pour faire ça avant nous. Moi, je vais compléter comme ça, puisque comme les gens disent tous que nous avons des chances, Dieu a fait tout le monde pour travailler. Puisque moi, je travaille. Mm-hmm. Si j'avais des chances, je vais aller travailler, je vais rester chez moi, même rester quelque part. Donc, je n'ai pas mon argent, je construis des maisons parce que j'ai des chances. Comme je n'ai pas des chances, donc tout le monde a des chances. Que ce soit nous, que ce soit les gens qui sont pour nous, on a des chances. Puisque Dieu a créé tout le monde avec une bénédiction pour travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne trouveras pas de l'argent. Il faut arrêter de tuer, de battre des albinos pour dire que non. Et ils ont des chances, quand je suis albinos, je vais prendre l'argent. Ce n'est pas ça. Ça, c'est faux. Mm-hmm. Donc, il faut aller travailler pour prendre l'argent. Yes. Donc, il ne faut pas aller derrière Albinos pour tuer qui non. Ils ont des chances. Si je tue Albinos, je vais prendre l'argent. Ça, c'est faux. Donc, Dieu a donné tout le monde la vie de travail. Il faut aller travailler. Ce n'est pas ta souillère que tu vas trouver l'argent. Mm-hmm. C'est ça que moi, je me dis. Passé. Donc, tout le monde. Et puis, j'appelle à tous les Albinos, il faut être pas complexé. Il faut enlever d'abord la complexe. Mm-hmm. Ce qui nous fait toujours des albinos, c'est la complexe. Mmh. Il faut être toujours pas complexé. Il faut toujours aller en avant. Il faut pas régler derrière. Il faut toujours aller en avant. Nous sommes là pour aider nos frères albinos pour aller toujours en avant. Yes. Yes. Moi, non, je peux rajouter. Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'il a dit, mon frère, moi, j'ai fait appel à tout le monde et surtout aux albinos. Mmh. Okay, il faut se lever. Il faut porter la voix, il faut être fier, il faut se manifester, il ne faut pas avoir, il faut pas rester dans le complexe. Mm-hmm. Parce que la Bible nous dit aujourd'hui, c'est lui qui aime dormir, qui aime se tourner les pouces. Mm-hmm. La pauvreté s'abattra sur lui, mm-hmm. comme un voleur dans la nuit. Mm-hmm. Donc les albinos, il faut prendre le courage de se lever, de se manifester, de porter sa parole, de se faire comprendre, de se faire accepter. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi je suis ici avec mon frère, nous sommes les témoins, quelque part, de la réussite. Okay. En étant albinos, on peut faire toutes les choses que nous souhaitons. Nous pouvons vaincre, réaliser tous nos rêves, oui. tous les objectifs qu'on souhaite. Oui. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas être freiné par quelqu'un, comme on dit. Donc, personne n'a droit à dire à un albinos qu'il est incapable. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas vrai. Yes. Donc, devant Dieu, on est tous égaux. Yes. On doit s'élever. Donc, moi, j'aimerais bien voir plus d'albinos qui portent la parole, qui s'élèvent. Parce que moi, si je vais chercher un travail, je vais venir autant que kinésithérapeute. Mm-hmm. Je ne vais pas venir autant qu'albinos. Non. Je vais me manifester, je vais montrer mes compétences. Mm-hmm. Je vais dire, non, je suis albinos, mais je suis capable de faire ça. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, c'est ça mon message. Réveillez-vous, prenez le courage, ne restez pas dans l'inacceptation de vous-même. Mm-hmm. Parce que l'acceptation de soi, c'est très important. Mm-hmm. Donc faites-vous une image de quelqu'un de positif. Avoir une attitude gagnante. Yes. De quelqu'un de winner, de gagneur. Mm-hmm. Comme aujourd'hui, moi, je suis là. Mm-hmm. Vous me voyez. Je suis propre parce que pour montrer... Parce qu'on a toujours tendance à montrer une image maléfique, mm-hmm. des sales, propres, wow. mal propres, de quelqu'un de malheureux quand il s'agit des albinos. Mm-hmm. Et ça, moi, je déplore ça. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on veut quand même montrer quelque chose de positif. Yes. Et c'est très important. Très bien. Et quand on est positif, c'est Dieu, ça veut dire qu'on est avec Dieu. Super. Moi, super. Je vais compléter encore oui, un peu. Parce que ça, ce sera le mot de la fin. Ouais, on n'est pas des mendiants. Mm-hmm. On est des travailleurs aussi comme tout le monde. Yes. Je demande toujours à mes amis qui sont la peau albinisme,
de travailler. Il ne faut pas reculer toujours derrière. Aller toujours en avant. Merci, pasteur. Yes. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous appelons à tout, à tous, toutes les grandes personnalités, les politiciens, tournez vos regards vers la menace contre l'albinisme. Tout ce qui m'y a, s'est levé pour dire fin à ceci. Nous appelons à ceux qui organisent des gros rassemblements, aux députés, aux élus, aux maires, à tous ceux qui sont dans la politique, aux parrains, les défenseurs du droit de l'homme, levez-vous pour défendre la cause des albinos. Et nous en appelons également à tous les albinos qui ont percé dans un domaine quelconque que ce soit dans les domaines de la musique, dans les domaines du sport ou dans le domaine social. Vous êtes médecin, vous êtes artiste, vous êtes qui que vous soyez. La plateforme, elle est pour vous. Tout ce qu'il y a est là pour vous. Vous avez toutes les informations. Appelez, appelez, appelez. Vous êtes des parents, vous avez vos enfants albinos et vous vous sentez un peu complexé vis-à-vis d'eux. Appelez, on va vous décomplexer très rapidement parce que vous avez ici deux représentants de taille. Des personnes à qui on ne peut pas dire vous ne valez pas la peine, vous êtes des rebuts de la société, des personnes à qui vous diront non, nous ne sommes pas des rebuts de la société parce qu'ils mènent bien leur vie et la grâce de Dieu fait que dans tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Donc vous êtes tous appelés à soutenir cette association. Les pharmaciens, vous avez des crèmes solaires. Vous avez des crèmes, vous avez des lunettes de soleil, ouais. Avec des fortes doses UV. Des chapeaux aussi. Donc envoyez des chapeaux. Donc l'association est en demande parce que des grosses distributions vont se faire en Afrique, au Congo, Cameroun, Bénin, Togo, un peu partout. La vision est très très grande. Cela ne se fera pas juste par deux personnes. Cela se fera avec le concours de vous tous. Prenez cette émission, partagez-la autour de vous. La discrimination doit s'arrêter. La discrimination doit s'arrêter. L'apartheid est morte. La discrimination contre les Noirs est morte. Je crois qu'il est temps que la discrimination contre les albinos s'arrête. Ils sont comme tout le monde, comme nous autres. Depuis que je suis avec eux, je ne sens aucune différence. Parce que ce sont des personnes comme nous, ils réfléchissent comme nous, ils parlent comme nous, ils sont à l'aise comme nous. Ce sont les amis. Je ne crois pas, on ne réfléchit même pas en disant « ouais, ils sont comment ?» Non, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Et comme ils ont dit tout à l'heure, ils ne sont pas là pour quémander. Ce ne sont pas des mendiants parce qu'ils travaillent pour gagner leur morceau de pain, mais ils veulent apporter un soutien à tous les autres frères. C'est albinos qui se sentent meurtris, qui se sentent abattus et qui ont perdu le courage de la vie. Alors, rejoignez cette association, appelez-les, encouragez-les et envoyez vos dons également. Le Seigneur vous bénira. Merci d'avoir pris la peine de suivre cette émission. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Casarema. Et merci à tout le monde de partager cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen. Bye bye. Merci. Amen. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.